Monsieur le Président, le système information Schengen est un outil indispensable pour garantir la liberté de circulation dans l'espace Schengen et la sécurité des citoyens. Mon groupe soutient les propositions qui améliorent l'échange d'informations pertinentes entre États membres, un élément essentiel pour lutter efficacement contre le terrorisme, les crimes organisés et l'enlèvement des enfants. Mais l'extension de l'utilisation de ce fichier pour les décisions de retour contribuera à accroître la criminalisation de la migration. Par ailleurs, les menaces à l'ordre public sont des notions trop vagues qui permettent à certains États membres d'en abuser en entrant des alertes dans le système sur des bases strictement politiques. C'est notamment le cas de la Pologne qui a interdit d'entrer dans l'espace Schengen la défenseuse des droits humains ukrainienne, Lyudmila Kolotska, via ce type d'alerte. Des garanties sont donc indispensables pour que ce fichier ne devienne ni un instrument politique entre les mains d'États peu scrupuleux, ni un Big Brother avec toutes nos données biométriques.